Aujourd'hui, nous allons apprendre à éliminer la graisse de notre corps en utilisant un seul ingrédient naturel. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, c'est vrai. Je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil sur toutes ces vidéos pour déterminer laquelle sera la plus adaptée à votre cas. À cause des mauvaises habitudes alimentaires, l'excès de gras, de sucre, les traitements et les soins médicaux que nous prenons, la sédentarité, les différents types de nourriture, plein de mauvais glucides, plein de mauvaises graisses, plein de mauvais cholestérol, toutes ces choses et bien d'autres encore peuvent augmenter notre capital graisseux, mais surtout endommager le bon fonctionnement de notre corps en stockant les graisses à des divers endroits difficiles à éliminer, tels que les bras, les jambes, le dos et le pire de tout, l'abdomen. C'est pourquoi nous devrions être conscients de chacun des aliments que nous allons consommer afin que de cette façon, nous puissions empêcher toute accumulation de mauvaises graisses dans le corps. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir de quel endroit est-ce que vous regardez cette vidéo. Dites-moi aussi quel est votre poids et quel est votre état et à quel endroit précisément vous souhaitez vous débarrasser de graisse. Il n'y a pas de meilleur moyen de résoudre ce problème que d'aider votre corps à brûler cette graisse qui avec le temps est devenue compacte. Cela peut se faire de manière naturelle en améliorant par exemple votre alimentation, un petit peu d'exercice, mais aussi avec l'utilisation de ces recettes que je vous montrerai. Avant de continuer, je vous invite à partager ces informations avec vos contacts, la famille, les amis via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, pour que ça touche un maximum de personnes. Au passage, je voudrais aussi savoir de quel pays est-ce que vous me regardez. Vous savez à quel point tout cela me fait grand plaisir de recevoir vos soutiens. L'ingrédient de base de cette recette est le bicarbonate de soude. Plusieurs chercheurs ont mis en évidence le fait qu'il permettait de bien laver et de bien nettoyer l'organisme, puisqu'on peut s'en servir en interne, mais il peut aussi faire un travail exceptionnel à l'extérieur. Si vous l'utilisez correctement, vous pourrez éliminer les graisses dans divers endroits de votre corps. Tout cela vous permettra d'améliorer votre santé et de rentrer plus facilement dans vos jeans. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter plusieurs recettes à base de bicarbonate et ce sera à vous de choisir la plus adaptée en fonction de vos problèmes et de vos attentes. La première recette est composée des ingrédients suivants. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, un demi-verre d'eau. Vous pouvez aussi ajouter un pamplemousse ou même un citron dans la préparation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dissoudre le bicarbonate de sodium dans un verre d'eau, puis ajouter le jus de votre citron ou même de votre pamplemousse. Consommez ceci 20 minutes avant le petit déjeuner. La deuxième recette est composée des ingrédients suivants. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, un demi-verre d'eau, une cuillère à café de bicarbonate de soude. La seule chose à faire est de mélanger ces ingrédients et de boire. Encore une fois à jeun et tôt le matin. La troisième recette est la suivante. Vous prenez 2 citrons, 2 tasses d'eau, 1 tasse de fraises, 1 branche de menthe et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Ce que vous devriez faire est de mélanger tous les ingrédients dans un mixeur, de faire de cela une pâte ou même un smoothie. Bien sûr, vous pouvez rajouter des glaçons à votre préparation si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Consommez cette recette 2 fois par jour, mais surtout, vous ne rajoutez pas de sucre à cette préparation. Ces 3 recettes vont améliorer sans aucun doute votre santé et avec une bonne alimentation, au moins 20 minutes d'exercice au quotidien, vous pourrez éliminer la graisse dans tous ces endroits. Pour avoir des résultats plus rapides, vous pouvez en complément faire une application en externe. Pour cela, mélangez 1 cuillère de bicarbonate de soude à 1 cuillère de vaporub. Pour ceux qui sont en Afrique qui n'ont pas de vaporub, vous pouvez utiliser le small nobicic, le menthol ou même encore le chat. Bref, c'est cette solution chauffante qui active la peau. Avant de faire vos exercices hebdomadaires, vous appliquez cela sur la peau, sur les zones à travailler spécifiquement, je précise. Ça fera transpirer 2 fois plus vite et ça boostera la fonte graisseuse. Donc voilà mes amours, nous en avons fini avec cette nouvelle vidéo. Je tiens aussi à vous rappeler que nos remèdes sont 100% naturels. Ils sont complètement à l'opposé des médicaments chimiques qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur votre santé dans le long terme. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé ces recettes et laquelle vous avez préférée. N'hésitez pas, je vous attends. Les vos avis sont très importants pour moi car ils m'aident à améliorer mon travail. Si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter, alors laissez-moi un petit emoji ou même un cœur dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardez la vidéo complètement. Rappelez-vous aussi de partager ces informations et de vous abonner. Bisous, bisous!